C'est bon, je suis dans le hall du Merlot. Ok, Aiden. C'est parti. Je lance le piratage. Regarde ça. Une mine de secrets et de mensonges dans un match de tonnerre. J'ai qu'à tendre le bras. Et tout ça, c'est à moi. À nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est costaud. Ça fait combien, là? 100 000 dollars en 30 secondes. J'adore les jambes avec du pognon. On est des magiciens du futur. On vide les comptes en banque et sans toucher à rien. Non mais tu t'entends. C'est quoi ça? Tiens, tiens. On dirait qu'on n'est pas le seul sur le coup. On va voir qui c'est. Pas le temps, Damien. On s'en tient au plan. Vide les comptes et on se tire. Quelle aventure, mon garçon. Fais confiance à ton mentor. Quelqu'un a déclenché cette alarme. Je veux marquer. Mais merde. J'y suis presque. Terminé, je coupe tout maintenant. Non, surtout tu touches à rien. Qu'est-ce que c'est ça? Laisse tomber. Non, on n'a pas terminé. Aide-moi. Là, c'est fini, je... Maurice. Ouais? À toi de jouer. L'un de nos contacts a eu le nom des hackers du Merlot. On les tient. On t'a refilé Aiden Pierce. Tu t'en occupes. Sa famille aussi, s'il le faut. Ça lui apprendra à fouiner là où il faut pas. Sa famille aussi? Ça pose un problème? Non, je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. J'en sais rien, je te l'ai dit. T'en sais rien. Sa famille aussi, ça pose un problème? Non. Je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. À ton avis, Maurice, tu m'as foutu la trouille? C'était juste un boulot, mec. Je savais pas. Qui c'était au téléphone? Donne-moi son nom. Il m'a jamais dit son nom. Je vais te donner un nom. Lena. Lena Pierce. Je savais pas qu'il y aurait des gosses, ok? C'était pas prévu, ça. Alors maintenant, je veux que tu réfléchisses attentivement. Réfléchis. Écoute, mec. Même si j'avais un nom, tu pourrais pas me faire parler. Ces types...
On raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu vas oublier tout ça, mec. Il y a des choses qu'on peut pas... Arrête! Arrête! Qui a donné l'ordre? On a parlé au téléphone, d'accord? Il m'a dit où je pouvais te trouver. C'est tout ce que je sais. Son nom? Je sais pas! Son nom? Allez, bute-moi, merde, vas-y, bute-moi! Ah! Et ta mémoire, maintenant? Ça va mieux? Maurice veut rien me dire, mais je parie qu'à toi il t'a parlé. J'en peux plus de cavaler, putain. J'en peux plus. Tout ça à cause de l'autre et de Spears. J'ai tué sa nièce et il n'arrêtera pas avant de m'avoir retrouvé. Qui c'est ce mec? Qui c'est? Bordel, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je parte d'ici. Yo, Maurice! Qu'est-ce que tu fous, petit bâtard? Oh, merde! Je peux savoir ce que t'as foutu? Quoi? C'est à moi qui parle. Je te laisse seul 2 minutes, et voilà. Rends-moi les balles. Je les ai jetées. Bah quoi? Tu m'as dit que tu l'aurais tué, sinon. Je t'ai juste demandé de les garder. T'étais où, d'ailleurs? Un coup de fil urgent. Alors, Maurice a craché le morceau? Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bon, c'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi? T'as même pas remarqué mon petit coup de vis dans la guerre des gangs. J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à le sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la 8e manche, Chicago mène et le match est presque fini. On n'a plus le temps. Joli coup. Bon, sinon... T'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil? D'accord, vas-y, parle-moi de ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous fallait une diversion. Donc, j'ai appelé les flics. Mais non. Si, si, je te jure. Quand les flics arriveront et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pam 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 pam. Jordi, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Demain, tu me remercieras. Des suspects sont sûrement armés. Super. Des flics à l'heure. Je m'occupe de ces types. Toi, t'attrapes Maurice et tu le sors de là. Maurice? Je ressemble à quoi, moi? Un taxi? C'est lui qui a tiré. J'en ai pas fini avec lui. Connard. Police de Chicago! S'il y a quelqu'un là-dedans, identifiez-vous! Ici. C'est un Viceroy. Et le fusil, là, ça doit être l'arme du crime. Il y en a un autre ici. Encore un Viceroy. Alors, il n'y a pas vraiment de victime. Pourquoi ils font ça le jour du plus gros match de la saison? Ils cherchent vraiment à gâcher la fête. Roger the ball now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching every conversation between two old rivals today, and this game could mean anything. Big base steal is on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sanova pitches, that's a big hit! No, rien du tout. On nous a signalé un Viceroy dans le salon VIP. On y va. Ok, j'arrive.
ne bougera pas à moins que je lui donne une bonne raison. J'avais pas assez de soucis comme ça. Hey, monsieur. Mais quoi ce plan? J'ai rien fait, moi! Juste parler. Quoi? C'est mes pieds exposés, j'étais là. Arrêtez, faites-moi voir mon Mais vous avez pas le droit! Ça se fait pas, ça! Reculez, tout de suite! Vous êtes des Viceroy, c'est ça? C'est pas illégal que je sache! Faites pas la maline! Il sort tout l'argent pour vos billets VIP! Je suis sûr qu'ils gagnent plus que vous! Ah ouais? Didi, il leur dit rien! Calme-toi, ok? Ils ont rien contre nous! Moi, je suis à peu près certain qu'on va surtout trouver vos noms partout dans nos dossiers! Montrez-moi vos papiers! Maintenant! Je te montre que dalle, ouais. Hey, tu filmes tout? Et parti pour un truc de dingue. Bon, on va faire autrement. Là, c'est pas normal. Je dirais bien de sourire, mais ça marche mieux si tu souris pas. Hey, mec! Je t'ai pas donné la permission de me prendre en photo. Ben voilà. Jérôme Richards. Quoi, fois rien. Juste un petit mandat d'arrêt pour trafic. Alors, tu vois qu'on a quelque chose? Non, mais c'est abusé! On a des droits! Vous avez droit de garder le silence. Ça, vous avez droit. Va te faire foutre! De se faire oublier. L'électricité est reliée au CTOS, mais c'est derrière un gros firewall. Écoute, il faut à tout prix que je sorte du stade. Tu peux me trouver le point d'accès le plus proche? Dans la pièce suivante. Mais tu vas devoir trouver quelqu'un avec un pass de sécurité. Les types de la sécurité doivent avoir le code d'accès. Avec tous ces flics, il doit bien en avoir un. Hey, c'est vous, Alan? Oui. Vous avez un plan d'évacuation? Oui, bien entendu. Parfait, alors lancez-le. Attendez, je ne vais pas évacuer 40 000 personnes pour qu'on puisse jouer au cow-boy. Il y a un incident isolé au sous-sol, et il suffit de fermer le sous-sol. Ça fera l'affaire. Aucun problème. Écoutez, tous les flics de Chicago vont débarquer dans le stade. Les spectateurs vont paniquer. Il faut arrêter le match. Et les... Quoi, arrêter le match? Jordi, où est-ce que t'es? Bah, je me suis barré. Je suis allergique aux flics. Maurice aussi, d'ailleurs. Mais t'inquiète, je t'ai laissé un petit cadeau. Le pote d'un de mes potes travaille dans les voitures d'occasion. Va voir dans le garage de l'autre côté de la rue. T'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, à plus tard. Viens voir un paquet de voitures passer.
changer de bagnole. Central, le suspect est forcément dans le coin. On continue de chercher. Je tiens enfin celui qui a tiré. Il ne me reste plus qu'à le faire parler. Mais comment? J'y suis allé fort avec Maurice. Mais la torture marchera pas. Faut que j'arrive à entrer dans sa tête. Sa culpabilité le bouffe. Je vais lui laisser quelques jours. Je suis sûr qu'il va se mettre à table.